Bon les amis, franchement j'ai eu des commentaires sur la vidéo précédente. Alors je dis bien, écoutez-moi bien, pour les 2-3 râleurs que j'ai eu, je pense que vous n'avez pas compris, enfin vous avez mal vu dans la vidéo. Donc là je vais vous montrer que la niche de mon chien, ça y rentre deux chiens et qu'elle est aérée. Je pense que ça, ou je l'ai mal dit, ou vous n'avez pas compris. Moi, je ne veux pas enfermer mon chien dans une caisse fermée sans ventilation. Mais bien sûr, je ne suis pas un teubé. Là, en fait, vous me prenez pour un teubé, quoi. Mon chien, je lui donne tout l'amour du monde, en sachant que la niche que j'avais faite dans le Merco, elle était deux fois plus petite. Hein. Et on ne m'a jamais critiqué, on ne m'a jamais dit ouais, « la niche est toute petite ». On ne m'a jamais rien dit. Là, elle est mille fois plus grosse et on me dit t'as pas honte. Bref, j'ai répondu et je vais vous montrer. Je vais faire rentrer le chien dans la niche et je vais vous montrer. Je vais vous montrer les aérations. Alors, là, il y a une grille de ventilation qui accède à l'extérieur. Vous allez me dire, ouais, c'est pas assez. Tout le tour, c'est aéré. Alors, regardez, là, je suis dedans. Franchement, je suis dedans. Regardez, c'est pas aéré là? Ah, il n'y a pas du foutage de gueule? Regardez, c'est aéré de partout. Voilà, c'est pas fermé, c'est pas un blocus. Ok? Il y a de l'aération de partout, c'est ventilé. Donc, qu'est-ce que vous dites comme connerie? Ouais, c'est un petit coup de gueule, un petit plus là. Ah, et maintenant je vais faire rentrer le chien. Et vous allez voir que ça rentre deux chiens. J'appelle ce nom. Viens là. Allez, viens, viens mon bébé, viens. Viens faut voir aux abonnés ta maison là. Comme elle est grande. Allez, viens. Allez. Allez. Bon, attendez, je vous reprends parce que ça va durer une plombe. Alors, qui c'est qui a raison? Il se tient debout et ça tient deux chiens. À l'aise. Donc, avant de juger, de critiquer les abonnés, là, les amis, ou voilà, ou les ceux qui viennent d'arriver, je sais pas quoi. Vous voyez? Je prends soin de mon chien tout le temps, j'ai toujours pris soin de mon chien. Donc, merci de rectifier dans cette vidéo, ici, dans les commentaires. Pardon! Non, je demande pas pardon, mais bon, voilà. Moi, j'aime pas, parce que j'aime tellement mon chien, le peu de critiques que j'ai eues sur la vidéo précédente, ouais, ça m'a blessé. Ça m'a blessé parce que j'aime mon chien. Et franchement, regardez, quand je vous dis deux chiens, on peut en mettre trois. Hein. Il est vachement à l'aise. Bon, et la ventilation, elle y est. Et si je vois que, au pire, c'est pas assez ventilé, je peux percer encore des trous, mais faut pas dire. C'est juste pour le trajet, en plus, les amis. Hein. C'est juste pour le trajet. Hein. Il dort pas là-dedans, hein. Il dort dehors, moi. Vous le savez. Donc voilà. Bon, c'était un petit coup de gueule pour la fin. Je suis désolé. Mais voilà quoi. Moi, l'amour de mon chien, c'est l'amour de mon chien. Point. Salut les amis. Bon. Nouvelle vidéo. Nouveau paysage. Bientôt. Promis. Snow. Il est mortibus. On a une chaleur de dingue, les amis. Dis bonjour. Tu dis bonjour. Qu'est-ce que ça fait? Il a picolé, regardez! Il a picolé, les amis, c'est pour ça qu'il est claqué! Qu'est-ce qu'elle fait dessous, cette canette, là? Ah, elle a du sang roulé. Bon, allez, je vous montre, les amis! Je vous montre. Oui, regardez. Je suis essoufflé avec cette chaleur. Je l'ai encore brossé, regardez! Pour les petits oiseaux, non mais quand je vous dis que c'est énorme, hein. Enfin bref, hein. Et il en perd encore, c'est pas fini. Bon, je vais vous montrer, bon il n'y a rien de terminé encore, mais là voilà, hein, je prépare le camion.
Alors regardez, la personne qui m'a vendu le camion, il m'a donné des pièces. Je suis trop content et je viens de changer le feu. Parce que regardez le feu, il était bon, ben, il n'est pas cassé. Hein. Mais il était passé, vous voyez la différence. Regardez. Tac, tac. Il était passé par le soleil. Mais ça se récupère, ça. Je vais le poncer aux 12 et 1400 à l'eau. Un coup de polish, machin. Et j'arriverai à le ramener comme celui-là. Mais je ne voulais pas me prendre la tête tout de suite, vu qu'il m'a donné des feux neufs. Donc je l'ai changé et ça claque carrément. Maintenant, j'ai les deux mêmes. J'ai les deux mêmes. Voilà, cool. Bon, ça y est, hein, j'aménage tout, hein, vite fait, parce que je prends la route lundi, les amis. Ça y est, lundi, on se casse. Bon, alors, faut que je vide tout ça, que je finisse la soute. Le plumard, il est prêt. Il est prêt, le plumard. Oh, un bon matelas. Neuf, mon cousin, propre. Allez, je vous montre. Je vous montre. La déchetterie. Non, c'est ça que je vais vous montrer en fait, l'avancement. Vous voyez ? Là, je suis en train de tout préparer pour partir. Donc là, je vais enlever tous les outils. J'arrête pour l'instant. Je reprendrai le reste plus tard. Mais là, il faut vraiment que j'aménage le plumard, deux, trois trucs pour partir. Ma gourde d'eau, enfin ma bonbonne d'eau, machin. Faut tout que j'installe. Ça claque ou pas, les amis ? Donc voilà, hein, c'est vintage, hein, comme vous avez pu remarquer. Voilà, j'attends toujours ma toile tendue. Hein. J'attends mes rideaux aussi, pour me cacher. Mais regardez, donc là je me suis fabriqué un petit bar. Bon, bah, ça rentre pile poil ces canettes, comme ça là. Et donc, je vais tout faire une tac, tac, tac. Pardon. Ah, j'ai un rototo, merde. Je vais prendre plusieurs sortes, mais je vais mettre des canettes vides, hein, vides, pardon. C'est pour faire un style bar, hein, vous voyez. Hein. Tout travail mérite sa bière. Hein. Donc voilà, un petit rayon bière, ouais. Un petit rétro vintage, hein, mon cousin. Il est bien, hein, mon cousin. Hein, coucou. Bon, ben voilà, voilà, un petit tableau apéro les copains, machin. Je suis fier de ma tête de lit en fait. Regardez, en bois brûlé, du coco. Et là, c'est de la toile de. Ah ! De jupe. De jupe, ouais, non, comme ça, de la toile de jupe. Ouais. Donc, que j'ai collé. C'est pas mal, ils sortent des cols spray. Donc, c'est pour tissu, pour cuir, pour liège, pour tout ce que vous voulez, pour coller quasi tous les métaux. Hein. En spray, c'est cool. Donc j'ai donné un grand coup de spray, tchac tchac, ça se prend immédiat et c'est invisible. Voilà. Donc je vais en rajouter une petite bande. Vous voyez, c'est pour cacher style les petits défauts du placo. Hein. Vous voyez, un petit boulot. Enfin tout du long, je vais faire une bande propre. Pareil, quelques endroits. Et puis là, j'attends de fabriquer normalement un cadre photo. Où je mettrai toutes les photos de mes enfants, voyage, machin comme ça, que je veux fabriquer en bambou. Et la porte latérale, pareil, je verrai par la suite. Pour l'instant, ça n'empêche pas de vivre. Je peux vivre dedans. Il y aura tout. Le petit frigo, là, je l'ai mis là, qui va bien. Ah, bah, il est vide. Mais surtout, c'est mon plumard. Ah, regardez. J'aime pas les plis. Toile tendue. Ça claque, hein. Donc, je reçois aussi ma toile tendue et vous verrez la suite, beaucoup de déco, hein, parce qu'il manque beaucoup de déco dans ce camion. Voilà, voilà. Cool. Regardez tout ce qu'il m'a donné. Franchement. Là, il m'a donné un faisceau. Un faisceau électrique de je sais pas quoi. Enfin, bref, regardez, un faisceau électrique. Non, mais franchement, hein. Ça vaut une blinde, hein, de la marque Peugeot machin. Hein. Un faisceau neuf, alors je sais pas quoi, je sais pas, mais c'est sympa de sa part. Hein. Deux suspensions arrière, des biellettes, s'il me semble, c'est des biellettes de direction. Direction, je verrai, ouais, ouais, ça m'a l'air des biellettes de direction. En plus, c'est nickel, hein, c'est, regardez, c'est neuf, quasi.
Ça, c'est les supports de roulemettes. Support avec roulette pour la porte latérale. De suspension, machin, ok. Le faisceau. Des enceintes d'autoradio, mais bon. Mais c'est d'origine, toujours, hein, franchement. Regardez, un rétro. Neuf. Un rétro, franchement. Un rétro comme ça, il y en a pour, je sais pas, plus de 500 balles. Regardez, neuf. Ah, je voudrais pas le casser. Enfin, je vous montre. Wow. Ma tête. Non, mais... 9 emballés. Ça vaut, ouais, je suis sûr que c'est aux 500 balles et peut-être plus, parce qu'il y a des sacrés rétros, hein, regardez. Et regardez le bloc, hein. Ah. Vous avez vu le monstre? Tac, et avec toute cette partie là, et en plus c'est électrique, hein. Électrique dégivrant, machin. Et bon, les miens sont pas cassés, mis à part le petit plastique là. Mais bon, je vais les laisser. Hein. Je vais les laisser, et le jour où j'en casse un, voilà, j'en ai un de rechange. Hein. Je peux m'amuser à démonter. Le feu, oui, parce qu'il était opaque. Et je vais le ramener. Je préfère le ramener plus tard. Quoi. Non, mais c'est sympa, qu'est-ce qu'il m'a donné ça. Et puis, un deuxième feu, mais côté gauche, que j'ai mis là. Un deuxième feu, ouais. Donc ça, c'est l'opaque. Et l'autre partie, côté... Ah non, c'est un... Ah non, c'était deux gauches que j'avais. C'est pas le droite. C'était deux droites. Ouais, deux droites, ouais, c'est bizarre. C'était pas un droite, un gauche. Ouais, enfin bon, bref, on s'en fout. L'essentiel, c'est que... voilà. Putain, mais je fais des rushs de 3 minutes, c'est trop long, les amis. Ouais, je vous reprends. Un petit coup d'apéro. Santé. Chin. J'ai tout là à nettoyer aussi. Si, j'ai trouvé le... J'avais un problème de marche arrière. Enfin, de feu de recul. En fait, il reste toujours allumé. Même que la marche arrière n'est pas mise, il reste toujours allumé. J'ai trouvé la panne. C'est le contacteur de feu de recul qui se trouve sur la boîte à vitesse. Alors, putain, il est mal placé, là. Bon, je ne vais pas vous faire voir. Il se trouve carrément derrière les durites, machin, faut filtre à air et tout. Sur la boîte à vitesse. C'est un petit relais électrique, comme ça, là. Et je l'ai testé. Il est grillé, donc faut que je le commande. Et j'ai regardé sur Internet, ça vaut dans les 20 balles. Donc, ça va, c'est pas trop cher. Donc du coup, ça laisse les feux allumés. En fait, c'est comme un interrupteur, mais voilà, il n'actionne plus et il a laissé les feux allumés parce qu'en fait, il peut griller aussi bien feu allumé que feu éteint. C'est-à-dire, quand vous voulez passer votre marche arrière, ben, les feux ne s'allument pas. Et moi, c'est le contraire. Ça reste toujours allumé en roulant, marche avant, marche arrière. Donc c'était dangereux parce qu'en roulant, les gens, ils vont dire « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il recule en roulant, lui ?» En avançant, donc du coup, j'ai fait juste une chose, hein, pour me dépanner. Tac, vous débranchez la prise et comme ça, ça coupe les feux. Mais par contre, j'ai pas de marche arrière quand je recule. Donc ça, c'est à vite commander, échanger, parce que c'est la sécurité, les amis. Voilà. Bon, une 36. Allez, c'est bon. Le roche, hein, une 30, c'est bon. Allez, petit repas du soir, les amis. Pâté riz, un petit mélange, rissolé à l'huile, hein. Donc j'en ai fait un peu trop, je suis tout seul, peut-être qu'il y aura une portion pour nous, vous voyez, pâte tortillade et riz blanc, rissolé à la poêle, à l'huile, donc je vais y faire revenir bien doré, j'adore bien doré moi, croustillant. Ouais, je travaille avec des baguettes chinoises, les amis. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est des baguettes quand j'ai acheté je sais pas quoi. J'ai récupéré les baguettes et depuis, je m'en sers. Regardez, elles en brûlent. Le bout, ils en brûlent. Et j'arrive à manger à la baguette. Hein. Regardez. Ah, hop. Vous voyez? Un grain de riz ou une grain de pâte, je peux manger. Enfin, je vous ferai voir. Normalement...
Merde. Normalement, la baguette, elle se tient sur ce pouce. Enfin, sur le pouce et celui-là. Vous appuyez une pression. Elle est bloquée. Et vous prenez la deuxième. Ah, si je me brûle pas. Et vous prenez la deuxième avec les deux autres doigts, comme ça. Et. Et du coup, ça fait pincette. Vous voyez? Bon, ben là, elle a piqué. Mais ça fait pincette. Hein? Mais bon, moi, chacun sa façon. Je les ferme, je mets juste un brin de doigt. Tac, tac, tac. Et voilà. Et le fait de manger comme ça, ça évite de faire grossir votre estomac. Et oui, je pense que les Shintak, les Chinois, hein, ils ont compris quoi. J'ai les doigts crado. Ah. Les ongles. Ah. C'est quoi ça, Kiki? Non. Hey. Je vais passer à la douche. Ouais. Bon, allez. Bon appétit. On a eu un orage encore de fou. Ça a eu tendance à grêler. Non, mais... Pff. De toute façon, on est parti pour des temps orageux, caniculaires. On tient plus avec la chaleur. Et du coup, ça fait la gale. C'est n'importe quoi, ce temps. Pff. Le monde, il est vraiment détraqué, les amis. Hein, mon bébé. Quand il remue le cul comme ça, il est heureux. Ouais. Tu dis bonjour? Non, c'est pas bonjour. Bonsoir. Regarde-moi ce nom. Regarde-moi. Non, pas bouger. Stop. Assis. 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 Snow. Assis. Enfin, il se couche. Pas bouger. Regardez. Ouais, dis-le en commentaire qu'il est à craquer, ce chien. Fais voir tes yeux. Snow. 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 Ouah. Trop beau. Ah yeah, les amis, ça se prépare. Je suis en train de tout mettre. Là, je vais aller récupérer mes rideaux. J'ai mis les pendentifs là pour mettre un rideau. Et là, j'ai pris une dalle. Je me suis acheté ça. Oh, c'était un petit morceau. Enfin, un petit morceau. Bon morceau quand même. 3 balles. Ouais, de temps en temps, quoi. Bon win. Avec un os pour Snow. Charolaise. Ça vous tente, ça vous dit, ça donne envie ou pas? Bon, ben allez, je vais la préparer avec mes petites épices, là. Alors, je sais pas laquelle que je vais choisir. Bon, je sais pas. Je vais regarder. Et on va faire rissoler ça à la poêle. Bon, allez, appétit, apéro. Et on va bientôt prendre la route. Prépare-toi. Ouais, je vais prendre celle-ci. Elle pique, hein. Je pense qu'elle est un peu pimentée. On va peut-être pas trop en mettre. Après, elle est épaisse, là, la côte. Tac, ils disent de préparer comme ça. Attendre 10 minutes. Et il va avec les doigts. Hein. Tac, voilà. Tac. Tac, voilà. Un peu comme si on la salait, quoi. Ouais, je pense que c'est bon. Je ne voudrais pas que ça arrache non plus, hein, parce que j'ai goûté, ça pique. Hein. Goûtez. Alors, ça pique? Allez, on va se régaler, hein. Regardez comme il se régale. Ah, il met propre, hein. Et il garde le meilleur pour la fin, regardez. Il va mettre son petit os. Tu l'enterres pas, hein? Pour le manger? Ah, je sais pas comment ils font, les chiens. Ils mangent avec des cailloux, de la terre. Je sais pas. Je sais pas comment ils font. Normalement, ils trouvent n'importe quoi là, dans les cailloux. Ils mangent. Ils mangent même les noyaux de cerise. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ils crèvent pas de faim. Hein.
Il a la volonté, enfin, je respecte un peu son alimentation, sa ration de croquettes, quoi. Mais non, il se porte bien. Bon, ben, ça commence à faire lourd, là. C'est bizarre, ce temps encore, là. Bon, ben, allez, on finit les préparations, les amis. Et puis, ben, vous verrez sur la route, hein. Donc, je filmerai pas tout parce que je pars avec, avec mes deux filles. Donc, je peux les filmer, mais on va essayer de profiter un max. Et puis, mais je vais vous montrer les spots qu'on va faire, quoi. Et de ce qu'on va faire, hein. Allez, première sortie avec Peugeot. Peugeot! Les amis, avant que je parte, j'ai fait un système douche provisoire. Ouais, comme à la maison, quoi. Une bouteille de gaz, branchée, bah, c'est une chaudière instantanée. Hein. Un tuyau d'arrosage qui vient du puits, et puis la douchette qui est tirée directement. Et comme ça, je peux prendre ma douche. Et j'ai réglé, j'ai fait les réglages à 38 degrés, impeccable. Je suis trop content. Une chose de faite, mais provisoire. Hein, parce que normalement, la chaudière doit être là, avec une évacuation, et tous les tuyaux, faut tout que je raccorde. Mais pff, la flemme, donc un truc vite fait, bien fait, c'est un peu mieux que, bah, que dehors. Enfin, j'aime bien aussi dehors. Je vais la garder pour mes spots sauvages, pour me doucher dehors avec le camion. Mais quand je suis ici, ouais, faut que je finisse. C'est plus agréable de dormir, de me laver dans une douche. Bon, allez, je vais aller chercher mes rideaux. Ah, il fait chaud. Hein. Mais on est bien. Là, hier, j'ai récupéré mes rideaux. Bon, là, on est le lendemain. Regardez ce ciel. Ils annoncent une semaine caniculaire, donc ça va bien, parce que je prends la route demain matin. Enfin, alors quand je dis demain matin, là, cette vidéo, elle sort mercredi. Et on est lundi, donc je parle mardi, et vous allez voir le mercredi, enfin bref. On peut pas, je peux pas être pile poil, c'est pas possible. Je vous montre les rideaux. Allez, je vous montre les rideaux. Tac. Voilà les rideaux. Hop. Voilà les rideaux qu'on m'a fait. Là. Voilà. La sortie. Voilà. Cool. On ne voit pas à travers. Hein. Rien. Nickel, chrome. Ça va bien dans l'ensemble en fait. Voilà les rideaux. Je vais juste ça à faire. Voilà. Je vais faire une fixation. Je les oublie du mieux. La vidéo s'arrête là. Abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Des bons commentaires. Regardez, s'il est pas heureux mon chien. Allez, je vous laisse. Il y aura peut-être pas de drone, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo et puis partagez, ça fait toujours plaisir. Allez.